So we're now in Camp Aviation. We have been doing for the last 2 weeks a mobile clinic here. Basically, we chose to do a mobile clinic rather than fixed clinics because it's quite a volatile area and there's lots of fighting going on. Onze oplossing was om een bus te creëren. Een bus waarin eigenlijk 4 consultatiekamers zitten. Er zijn 2 artsen, 1 verpleegkundige, een verloskundige. En tevens hebben we een mental health officer. Het soort zorg dat we hier verlenen is eigenlijk een outpatient department. De mensen komen hier vanuit de kampen. En tevens zijn we eigenlijk ook gewoon beschikbaar voor alle emergencies. Dus eigenlijk zijn we gewoon een soort eerste hulp / huisartsenpost. We zien hier gemiddeld ongeveer 125-130 patiënten per dag. Daarbovenop komen ook nog de mensen die voor de psychologische zorg komen. Dat zijn er gemiddeld 10 per dag. En de zwangere vrouwen tussen de 25 en de 30. Dus in totaal kom je zo rond de 160-170 mensen kom je dan in totaal neer. Pour ce cas-là, c'est la gale. La gale arrive surtout dans les zones où il y a une promiscuité, une très grande promiscuité. Il n'y a pas vraiment l'accès à l'eau, il n'y a pas vraiment une sanitation qui se fait au niveau du camp. Donc il y a une grande promiscuité, donc ça va entraîner de toute façon la gale. On va avoir là beaucoup de problèmes. Premièrement, sur le point de vue génito-urinaire chez les femmes, on va avoir de toute façon beaucoup d'infections génito-urinaires. L'eau qui n'est pas potable est utilisée pour faire de la nourriture ou bien pour être bu. Donc ces personnes-là auront la majorité des cas la diarrhée ou accompagnée de vomissements. Ces conditions de promiscuité entraînent beaucoup de maladies. We zien langzaamaan ook toch wel wat meer kinderen die ondervoed zijn, die toch aan de diarree geraken door de slechte omstandigheden. Waardoor ze eigenlijk toch wel een paar weken lang diarree hebben, slecht eten kunnen binnenhouden. En daar zien we wel in dat kinderen nu al gedehydreerd raken. En iets waar we ook nu langzaamaan meer te maken mee krijgen, zijn eigenlijk de seksueel geweld situaties en domestic violence, dus de huiselijk geweld. Doordat heel veel mensen samen op één plek wonen en de situatie nog steeds niet veranderd is, is er meer onzekerheid en ook ontstaat er meer agressie. C'est vrai que le séisme ça fait déjà 6 mois, mais les conséquences sont encore là. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'une assistance. MSF essaie de jouer la proximité. On vient trouver les gens. On reste pas quelque part et on demande que les gens viennent nous trouver. On vient directement chez les gens, là où ils vivent. Donc, et on essaie de voir avec eux comment on peut faire pour les aider à solutionner leurs problèmes. On essaie de voir avec la personne qu'est-ce que cette personne a comme ressource. Nous, en tant que counselor ou bien en tant que psychologue, nous n'avons pas des solutions magiques pour résoudre tous les problèmes. Donc, c'est dans les ressources de la personne qu'on va essayer de trouver comment la personne doit faire pour résoudre ses problèmes. 6 mois après le séisme, rien n'a été encore fait parce que normalement les gens vivent jusqu'à présent dans des situations vraiment difficiles. So we're now in Camp Aviation. We have been doing for the last 2 weeks a mobile clinic here. Basically, we chose to do a mobile clinic rather than fixed clinics because it's quite a volatile area and there's lots of fighting going on. Onze oplossing was om een bus te creëren. Een bus waarin eigenlijk 4 consultatiekamers zitten. Er zijn 2 artsen, 1 verpleegkundige, een verloskundige. En tevens hebben we een mental health officer. Het soort zorg dat we hier verlenen is eigenlijk een outpatient department. De mensen komen hier vanuit de kampen. En tevens zijn we eigenlijk ook gewoon beschikbaar voor alle emergencies. Dus eigenlijk zijn we gewoon een soort eerste hulp / huisartsenpost. We zien hier gemiddeld ongeveer 125-130
patiënten per dag. Daarbovenop komen ook nog de mensen die voor de psychologische zorg komen. Dat zijn er gemiddeld 10 per dag. En de zwangere vrouwen tussen de 25 en de 30. Dus in totaal kom je zo rond de 160, 70 mensen kom je dan in totaal neer. Pour ce cas-là, c'est la gale. La gale arrive surtout dans les zones où il y a une promiscuité, une très grande promiscuité. Il n'y a pas vraiment l'accès à l'eau, il n'y a pas vraiment une sanitation qui se fait au niveau du camp. Donc il y a une grande promiscuité, donc ça va entraîner de toute façon la gale. On va avoir là beaucoup de problèmes. Premièrement, sur le point de vue génito-urinaire chez les femmes, on va avoir de toute façon beaucoup d'infections génito-urinaires. L'eau qui n'est pas potable est utilisée pour faire de la nourriture ou bien pour être bu. Donc ces personnes-là auront la majorité des cas, la diarrhée ou accompagnée de vomissements. Ces conditions de promiscuité entraînent beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies. We zien langzaamaan ook toch wel wat meer kinderen die ondervoed zijn, die toch aan de diarree geraken door de slechte omstandigheden, waardoor ze eigenlijk toch wel een paar weken lang diarree hebben, slecht eten kunnen binnenhouden. En daar zien we wel in dat kinderen nu al gedehydreerd raken. En iets waar we ook nu langzaamaan meer te maken mee krijgen, zijn eigenlijk de seksueel geweld situaties en domestic violence, dus de huiselijk geweld. Doordat heel veel mensen samen op één plek wonen en de situatie nog steeds niet veranderd is, is er meer onzekerheid en ook ontstaat er meer agressie. C'est vrai que le séisme ça fait déjà 6 mois, mais les conséquences sont encore là. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'une assistance. MSF essaie de jouer la proximité. On vient trouver les gens. On reste pas quelque part et on demande que les gens viennent nous trouver. On vient directement chez les gens, là où ils vivent. Donc, et on essaie de voir avec eux comment on peut faire pour les aider à solutionner leurs problèmes. On essaie de voir avec la personne qu'est-ce que cette personne a comme ressource. Nous, en tant que counselor ou bien en tant que psychologue, nous n'avons pas des solutions magiques pour résoudre tous les problèmes. Donc, c'est dans les ressources de la personne qu'on va essayer de trouver comment la personne doit faire pour résoudre ses problèmes. Six mois après le séisme, rien n'a été encore fait parce que normalement les gens vivent jusqu'à présent dans des situations vraiment difficiles.